dénoncer les erreurs du Parti Socialiste. Nous allons laisser la voie libre à la droite, un véritable boulevard. Le boulevard, je chie dessus. Oh, moi je pensais pas les Grecs, hein, je pensais plutôt les Jamaïcains de la Suisse. Les Jamaïcains? Oui. Parce que pour faire un top pêche-temps mi-connerie, ils sont plus rapides que Usain Bolt. Et en ville, leurs rues, hey, elles sont plus défoncées que Bob Marley. Pour Pierre Maudet. Mais Maudet n'a pas besoin de bureau. Enfin, il n'a qu'à demander à l'aimant bleu, il y est tous les jours. Voilà, voilà. Alors, excusez-moi, voilà, voilà. Fou. Voilà, Catherine s'est chauffée. Prenez place, je vous prie, levez, déposez vos augustes des eaux vives. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est le jeune, je le vois, il fait le pont. Dans ce petit canton appelé Genève, la terre joue son avenir. Retrouvons Dardanix et Gamay de Satinix, les deux héros de cette gastro-aventure. Du fer, disons sa chlingue dans tout le canton. On dirait un cerveau-là, 22% de matière fécale de Girano. Vous serez condamné aux mouettes genevoises. Plutôt le matin. Non, il faut le matin. Avant que je l'utilise, le maire était déjà imprimé dessus. Le tour du grand Genève. Saint-Julien, puis retour. Incroyable, là. Reconnais que ça sonne bien, le grand Genève. En tout cas, ça sonne mieux que le gros de Vaux. C'est une caisse. Quoi? Il n'y a pas de toilette dans les chambres? Oh là là. Oh, mais c'est pas vrai! Mais les gens, ils n'arrivent pas du tout préparés aux admissions. C'est inadmissible! Je ne supporte pas Bernard Cluzon. Il ne donne pas satisfaction. Et il y avait un élève qui maîtrisait parfaitement bien le langage épicène. Ah ouais? Oui! Il a dit la maîtresse, je vais me la mettre. Mais qui a eu l'idée? C'est une tête ponçante. Ah, c'est la madame Isabelle Rouchard de la République et les cantons. Isabelle Rouchard! Isabelle Rouchard, voilà le mousse-mec, elle est le bienfaiteur de tout le marché. Isabelle Rouchard, derrière Charles le Belbert. C'est la fin du monde. Le 21-12-2012, ben ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est les Maillards.
Non, pas les abeilles, il y a les Indiens. Ah, en fait, ils cherchent toujours une solution pour la traversée de la rade.